Moi, c'est Lozamim, et pourquoi tu as commencé avec vous? Jeudi, qui c'est mardi 28 novembre, pour nous poursuivre avec le sujet que nous avons développé durant toute semaine. Pas oublier semaine ça, nous avons étude numéro 9, la mission auprès des puissants. Mais quand je dis à nous, ouais, témoigner auprès des érudits Nicodème. Témoigner auprès des érudits Nicodème. Nous bénissons, éternel notre Père et notre Dieu, parce que c'est bon Dieu, nous. Merci parce que vous faites plein jour après jour pour instruire nous, pour former nous, pour éduquer nous suivant parole. Merci parce que vous n'avez jamais bouqué ensemble avec nous malgré nous vivre en désaccord avec ce que vous-même vous montrez nous pour nous faire. Et maintenant, je vous dis encore, nous allons considérer en portion de la parole, bah nous esprit pour comprendre et que la parole soit capable de servir nous et nous capable d'accomplir la mission nous, gens qui ont même demandé pour nous capable faire. Merci parce que vous attendez nous, nous prions comme ça dans nos Jésus. Amen. Zamim, moi, vous remercie, félicite, encourage pour l'effort que vous-même fait jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers guide d'études, école du sabbat. Songez chaque fois fini d'étudier, plaisir, c'est encourager ou partager. Étudiez avec entourage pour encourager, faciliter plus de monde capable étudier le champ école du sabbat. Si vous êtes abonné, vous avez fait ça connaître et puis allez encourager l'autre monde pour faire même bien avec vous. L'étude maintenant, c'est numéro 9, la mission auprès des puissants versets à mémoriser, et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Matthieu chapitre 16, verset 26, texte pour nous qui est bien en tête nous, durant l'étude semaine. Dimanche, nous avons un Nebuchadnezzar, un personnage arrogant, que bon Dieu a bien abaissé et par la suite remonté encore sous pouvoir. Noter les possibilités tout. Et une portion étude lundi pour noter un âme, un chef qui était et mais qui par la suite t'a guéri par un serviteur bon Dieu qui s'est Élisée. Et suivant l'autre qui Élisée de Bali, ben qu'il t'a fait rebelle, mais serviteur lui était par l'ensemble avec lui, il tendait, il guéri et par la suite il était décidé à adorer bon Dieu ça. C'est-à-dire c'est bon Dieu ça même pour l'adorer parce que par contre l'autre Dieu encore. Eh bien, sous la terre. Et je dis à nous parler, un sujet encore qui est assez intéressant, c'est témoigner auprès des érudits Nicodème. Et il y a un mot qui est intéressant dans le sujet étude aujourd'hui, érudit. Là, on parle, on dit un monde érudit. C'est un monde qui gagne sa volée, un grand savoir. C'est un monde qui gagne plus de connaissances. Okay? C'est un monde qui fait intellectuellement. C'est-à-dire, ce n'est pas un monde comme ça, mais c'est un monde dans un domaine qui est bien institué. Moun sa, lè la pale ou an vitande l parce que ça l'a dit yo se bagay ke li konnen. Eh bien, personnage central nan étude jodi a, eh bien, c'est Nicodème. Donc on est Christ, il est toujours présent, mais personnage central nan sujet nou jodi a, c'est Nicodème. Eh bien, Nicodème, c'était un homme qui instruit. Et la Bible décrit lui comme étant un chef juif yo. Jésus lui-même te qualifié comme étant le docteur d'Israël. Et Nicodème a une bonne compréhension de la Bible et il était grand goût spirituellement présence Jésus dans la vie. Son monde qui était convaincu que Jésus c'est Messie, mais à cause plutôt il était dans sec pharisien yo, ça t'a empêché ouvertement il était montré et bien ça qu'il devait. De point de vue humain, il peut-être c'était un monde qui était disciple bon Dieu. OK, là regardez le capable dire ah monsieur ça c'est un disciple bon Dieu. Il était gardé tout commandement yo et c'était un leader qui était respecté parmi les Juifs yo. Il était puissant et en même temps il était riche. En pile mon ouais ça comme étant signe de la bénédiction divine. Cependant, et il s'avère que toutes ces choses n'étaient que des apparences. Malgré tout ça mon était capable dire de bien pour Nicodème. Mais pour Nicodème, c'est comme si tout ça t'a bénéficié. Ou bien, genre, les hommes de well, pour lui-même, c'était que des apparences parce qu'il était une soif. OK? Il était un grand goût de présence Jésus eh bien, dans la ville. Maintenant, nous allons lire dans Jean chapitre 3, verset 1 à 12. Nous allons regarder et qui sa texte, qui sa histoire ça révélé sous besoin spirituel Nicodème et sous façon que Jésus lui-même te répond immédiatement. Avec besoin sérieux. On va aller dans Jean chapitre 3, nous allons lire verset 1 prouvé jusqu'au verset 12.
Mais il y a un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es docteur venant de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je te dis, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevrez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses céleste. Eh bien, nous, quand Nicodème était allé côté Jésus, il a essayé de maintenir la façade, le statu quo. Mais bon Dieu connaît que Nicodème, de même que bon Dieu connaît que a besoin de tout, je dis, ni si là qui est riche, ni si là qui est puissant, ni si là qui est pauvre, ni si là qui est faible, quelle que soit l'origine. Ok? Que tu es riche, que tu es puissant, que tu es faible, que tu es. Eh bien, ou t'es pauvre, eh bien, bon Dieu, lui connaît besoin de nous tous. Nicodème, t'es allé côté Jésus, parce que enseignement Jésus t'a convaincu. Orgueil, il t'a empêché de confesser de façon ouvertement pour le reconnaître Jésus comme étant Seigneur. Lui. Mais nuit ça, t'es changé toute bagaille pour Nicodème. Même après, il était venu convaincu que Jésus s'était envoyé de Dieu, il n'a pas jamais reconnaître ouvertement que lui-même, il était un disciple de Jésus-Christ. C'est-à-dire, Nicodème, tu as toujours été en cachette. Pour quelle raison? C'est parce que pharisiens, sadducéens, eh bien, monsieur sérieux, il dit, si on reconnaît Jésus comme étant le Messie, comme étant envoyé de Dieu, moun sa, il n'y a pas de possibilité pour l'entrer dans le temple. C'est-à-dire, mettez-le dehors. Ça devient une cause. En pile monde qui était dans le secte pharisien, malgré que tu es convaincu que Jésus, c'est Messie, hein, c'est l'envoyé de Dieu, mais ouvertement, il n'y a pas de voulu faire ça. Okay? Et il y a un pile là-dedans, il fait secrètement, il reconnaît que c'est disciple Jésus secrètement, mais ouvertement, il n'y a pas de faire ça. Maintenant, nous allons lire le texte et nous allons regarder qui ce texte a dit nous, sur Nicodème et sur Jésus. Nous allons aller dans. Et Jean, chapitre 7, c'est texte ça que nous allons lire là. Nous allons aller dans Jean, chapitre 7. Nous allons lire verset 43. Nous allons arriver dans verset 52. Nous allons regarder qui sa parole ça y a porté pour nous. On allait. Il y donc, à cause de lui, division parmi la foule. Quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir, mais personne ne mit la main sur lui. Ainsi, les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens. Et ceux-ci leur dirent, pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Les huissiers répondirent, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Les pharisiens lui répliquèrent, est-ce que vous aussi, vous avez été séduit? Y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui ait cru en lui? Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. Nicodème, qui était venu de nuit vers Jésus et qui était l'un d'entre eux, leur dit, notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait? Ils lui répondirent, es-tu aussi Galiléen? Examine, et tu verras que de la Galilée, il ne sort point de prophète. L'autre texte, c'est Jean, chapitre 19, verset 39. C'est le texte que nous parlons, les pour Konyala. On va aller. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi apportant
un mélange d'environ 120 livres de myrrhe et d'aloès. Eh bien, nous cap comprendre, surtout dans Jean chapitre 7, là, verset 43, 52, qui s'est passé, c'est que Jésus t'a fait un miracle. Et puis, le miracle là, pas plaire ensemble avec les pharisiens, les scribes, monsieur Sario, ils voulaient tuer Jésus. Et puis, ils ont voyé une série de monde qui pour aller prendre Jésus pour te bailler. Et lorsque monsieur est arrivé, il attendait Jésus qui a bâillé des discours. Monsieur est séduit par ça, Jésus a dit. Monsieur est bien étonné pour attendre Jésus a parlé. Monsieur est convaincu que Jésus est Messie. Et finalement, monsieur n'est pas capable d'emmener Jésus et pharisiens parce qu'il finit par comprendre que Jésus c'est le Messie pour Messie, l'envoyé de Dieu. Et monsieur a dit un pharisien. Les pharisiens ont dit, et pas nous parmener Jésus ben nous. Monsieur a déclaré pour dire, nous pourquoi j'aime moi parler de comme ça. Et les pharisiens ont dit, est-ce que vous-même tout, vous convaincu? Est-ce que nous-même tout, nous reconnaissons Jésus comme étant l'envoyé de Dieu? Et puis, nous avons fait une bonne analyse. Et puis, Nicodème va répondre pour dire, monsieur, est-ce que la loi par nous en Liban nous doit pour condamner un monde sans qu'il nous partent et sans qu'il nous pas connaît qui ça le fait? Pour qui ça? Nicodème dit ça, c'est parce que monsieur, t'es dit, monde qui a suivi Jésus, c'est monde qui m'a dit. Ok, mais Nicodème lui-même qui était rencontré ensemble avec Jésus, qui tendait Jésus, qui ouais dans Jésus, l'envoyé de Dieu, il était lui-même, il était convaincu que Jésus c'est Messie. C'est ça que fait. Il dit, monsieur, ça. Et monsieur, il dit, regardez pour bien, est-ce que j'ai un prophète qui sortit dans un endroit ça, qui est Galilée. C'est-à-dire, vraiment, ensemble avec aujourd'hui, et un papa, et avouer sentiment, non, ou bien avouer croyance nous. En pile fois, nous sommes chrétiens, nous côté nous arrivés, puisque les gens qui sont dans l'entourage nous ne sont pas chrétiens, et bien nous honte de nous sommes chrétiens. Et bien, quand l'évangile là lui-même, le transpercé, quand l'évangile là, et bien, le traversé, et bien, c'est sûr, ou même, moi-même, et bien, nous avons senti nous fiers, nous avons senti nous heureux, quelque soit côté nous, pour nous capables de présenter nous en tant que le vrai serviteur, de vraie servante. Du Dieu vivant. Eh bien, nous sommes capables de voir dans le verset ça, que Nicodème, et de toute évidence, est influencé grandement par Jésus. Il a cherché à protéger Jésus, l'aide est en vie, et lui honorer Jésus également après Jésus est fini de mourir. Il ne fait aucun doute que Jésus avait touché le cœur de Nicodème. Même dans sa connaissance et sa sagesse, tant vanité, avait un grand besoin du Sauveur comme nous tous. C'est-à-dire, nous, Jésus t'a touché que Nicodème. Il y en a qui dégagent de grand savoir, il y en a qui dégagent en pile sagesse, mais nous, malgré tout, il t'a besoin Jésus. C'est-à-dire, moi-même, c'est avec vous, nous-mêmes également, mais avec Nicodème, nous avons besoin Jésus. La réflexion que nous avons, eh bien, pour aujourd'hui, pourquoi devons-nous faire attention au piège de penser que comme nous avons la vérité, la connaissance de cette vérité suffit à elle seule pour nous sauver. Comment, deux fois, des âmes qui ont plus qu'assez de connaissances, même la connaissance du message des trois anges, serait-elle perdue? Bon, je dis ça pour vous, pour comprendre. Puis bien, pour qui ça? Le diamant ensemble avec nous, de faire attention avec bien ça. Nous-mêmes, quand nous avons gagné la vérité, et faut que nous connaissions que connaissance vérité ça n'est pas suffisant pour nous sauver. Ou qu'on connaît toute Bible à l'intérieur tout. Ou qu'on connaît tout contexte parole qui est dans la Bible. Si on va développer une relation avec Jésus, c'est sûr qu'on est capable de gagner la vie, qu'on est capable de sauver. Et en plus, fois moment ça avec vous, n'oubliez et il y a plein de monde qui gagne plus connaissance dans la Bible passer nous. OK, même connaissance sous message troisième ange là ou bien message trois anges mais pour autant il y a un pile dans monde qui gagne message ça il a perdu raison simple nous te dit déjà c'est parce que il a pas développé une relation avec Jésus il seulement prend des connaissances emmagasiner des connaissances sans que lui-même il pas vivre suivre la connaissance qu'il a c'est-à-dire son connaît ça pour faire ou pas faire apôtre Jacques dit ou commettre un péché c'est-à-dire moi ensemble avec vous en nous eh bien développer une relation avec Jésus, on nous pas honte, ok, on nous fait de façon ouverte pour tout le monde ouais dans nous, de vrais serviteurs, de vrais servantes bon Dieu. Je vous dis à nous d'apprendre ensemble, témoigner auprès
des érudits, Nicodème. Oui, Nicodème, un homme qui était grand pile connaissance, mais à un certain moment, ouvertement, il n'a pas voulu montrer que c'est serviteur bon Dieu, il n'a pas voulu montrer que c'est serviteur Christ, mais par la suite, il a obligé parce qu'il n'a pas qu'il est servi bon Dieu, pas qu'il caché là-dedans. Nous bénissons, Père des cieux, merci pour la révélation parole. Aidez-nous en dépit de toute connaissance que nous sommes capables de gagner, en dépit de toute relation que nous sommes capables de gagner ici-bas, pour que nous sommes capables. Et bien, maintenir une bonne relation ensemble avec vous parce que c'est une relation avec vous qui va y saluer. Fais grâce, bénis-nous, bénis journée pour nous, bénis chaque petite possibilité pour étudier la parole sérieux, que la parole soit capable de fortifier nous et rester dans la volonté. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. 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 Amen